Bonjour! Aujourd'hui, on va faire des crêpes avec des cocos blancs. Alors, Robot Coupe le plus grand, mais 500 grammes de cocos blancs. Régulièrement, on récupère les petits grains. On arrêtera quand on aura 250 grammes de poudre. Voilà, j'ai fini. Il me reste ça. Mettez-le dans une soupe. J'ai donc 250 grammes de poudre de coco. À part, on pèse un demi-litre de lait, 500 grammes. On met dans la coco en poudre 3 œufs. On fouette. Voilà, arrivé là, on va ajouter du lait petit à petit. Celui qu'on a pesé. Donc on met du lait jusqu'à ce que ça soit comme ça là, bien suffisamment épais pour qu'on puisse fouetter comme un malade et enlever tous les grumeaux. Puis on ajoute le reste du lait. On fouette jusqu'à ce que ce soit homogène. La pâte me paraît trop épaisse. Alors on pèse 100 grammes de lait. On y met un œuf, puis on va l'ajouter à la pâte à crêpes petit à petit. Voilà, alors dans la poêle à crêpes chaude avec de l'huile étalée avec épingle et coton à démaquiller, on la retourne à l'aide de deux spatules et on met beaucoup de pâte pour pouvoir boucher le maximum de trous. Regardez l'épaisseur. On n'est pas loin du 5 mm, hein. Fouettez avant de remettre dans la poêle à chaque fois. Dès que la pâte est prête, dépêchez-vous de les cuire. Regardez-moi ça. Ça a encore épaissi là. Bon, alors j'en ai fait 6 crêpes. Alors je vais faire emmental fondu jambon. Froid mozza, salade et jambon. Hot dog, moutarde ketchup, la viande du cassoulet. Et voilà, bon appétit!